Senhor, que
Elle est redoutable. La somme. Amen.
Parce que le Seigneur est avec nous. Il avait dit que je serai avec vous juste à la consommation du temps. Parce que c'est lui qui nous garde. Lui, notre berger fidèle. Amen. Il est fidèle. C'est bon. Il ne nous abandonnera pas. Que son nom soit béni. Nous amènera à la perfection. Il nous fera grâce. Là où tu es faible, il te donnera la force. Même si tu te sens faible, crois que Jésus-Christ est communicateur de la puissance. Jésus-Christ est le communicateur de la force. Il va te transférer la force, frère. Jude dit, il dit ceci, lui qui peut nous préserver de toute chute et nous préserver jusqu'à la venue de notre Seigneur, à lui soit la gloire, l'honneur et la louange. Il reconnaît qu'un seul peut nous préserver de toute chute. Si tu sens que dans ta vie tu connais plusieurs chutes, crois que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui peut te préserver de ça. Quand tu es dans le mal, il ne faut pas fuir Jésus-Christ. Il ne faut pas être un centrifuge, fuir le centre Jésus-Christ. Non. Il faut toujours venir à lui. Il est capable, il est affermi. D'après l'évangile que nous vous prêchons, d'après l'évangile que les apôtres ont enseigné, d'après l'évangile que lui-même Jésus-Christ a enseigné, lui Jésus-Christ peut vous affermir. Il ne faut pas les fuir. Et l'habitude est toujours de recommander à lui. Parce que les temps sont réellement mauvais. Il y a des pièges par-ci, par-là. Afin que tu puisses te décourager. Mais le Seigneur te dit ce soir, prends courage. Recommande-toi à lui. Lui te donnera la force. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne. Dieu. La vérité,
donné la gloire. Jésus-Christ t'a donné la victoire sur tous les esprits. La vérité est que Jésus-Christ t'a donné la domination sur ce monde. Et que ce monde ne peut pas t'emporter. Ce que je voulais te faire voir avant d'entrer, de faire notre lecture. Et tu es puissant. Non, toi tu es puissant. Recommande-toi toujours à lui. Ne faut pas fuir Jésus-Christ. Reconnais qu'il y a des pièges par-ci, par-là. Tu n'arrives pas à garder la sanctification à cause des films porno. À chaque fois ton téléphone est là. Si tu dis que tu dois garder la sanctification, tu dois toujours avoir une image mauvaise qui passe là. Regardez sur la terre. Les temps
des choses qui ne doivent pas se faire. Mais ce sont des choses pour lesquelles on met beaucoup d'argent afin que ça puisse se faire dans beaucoup de pays. Quand un chrétien voit ces choses-là, il doit réaliser dans quel temps nous sommes. Parce que le Seigneur avait dit, ce qui arrive à mi-temps de Sodome, ce qui arrive à mi-temps de Lot, arrivera aussi mi-temps du Fils de l'homme. Amen. Amen. Il a dit, le monde entier doit devenir comme Sodome et Gomorrhe. C'était seulement Sodome et Gomorrhe et les villes voisines seulement. Mais au temps du Fils de l'homme, ce sera le monde entier. Donc, si tu ne vois pas ça encore au Congo, ne dis pas que nos mères ne le permettent pas. Non! Ces choses-là finiront par entrer parce que le prophète Jésus l'avait dit. Jésus-Christ, et nous sommes.
Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est mauvais, oh Dieu, puissant de Jésus, Amen.
scandale. Amen. Seigneur, témoigne que nous sommes à toi, oh Dieu. Que nous sommes tes enfants. Que nous sommes ton image. Témoigne cela dans nos vies. Que nous soyons saints. Irrépréhensibles. Tout ce qui est comme rue au cœur. Nous croyons que si tu nous parles, ce n'est pas en vain. Que tu as vu la vie, que tu as vu la suivre, que tu as vu une mauvaise vie. Tu veux nous enlever de ça. Que tu nous soumets à ton jugement aujourd'hui. Soyons pas condamnés avec les morts. Oh Dieu, Seigneur, nous ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta longanimité, oh Dieu. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous, oh Dieu. Seigneur, purifie-nous, Jésus. Seigneur, il y a des femmes qui se plaignent. Você
signe parmi les frères. Oh Dieu, Seigneur, dans ce sujet de la piété, dans ce sujet des ornements des bijoux, des mèches de la Paris, Seigneur, que cela aille de soi. Que les hommes de Dieu soient fortifiés. Que les mamans soient fortifiées.
vie soit semblable à ta vie. Je le déclare comme serviteur de Dieu. Je le déclare comme ayant reçu mandat de venir. Je le reçois comme ayant reçu mission de les emmener à la perfection. Oh Dieu Seigneur, qu'il soit une offrande agréable. Qu'il soit une offrande agréable. Même si tu avais prévu la colère contre eux. Seigneur, que cela soit ôté. Amen. À cause de la présence de ton serviteur. Amen. Tu nous as appelés comme l'arc-en-ciel pour apaiser ta colère. Amen. Tu nous as appelés aussi comme médiateur, Seigneur. Amen. Pour intercéder pour ce peuple. Oh Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit une offrande agréable. Amen. Que tout ce qui est comme scandale des impudicités. Les scandales des impudicités. Les scandales de l'escroquerie. Scandale de toute action mauvaise. Ne sois pas parmi nous, Seigneur. Amen. Ne sois pas parmi nous, Seigneur. Amen. C'est Satan, Seigneur. Ne faisait que réclamer l'un de ses frères. Ne faisait que réclamer. Dans les hypocrisies, dans les impudicités, dans les croquis, dans toute action. Seigneur, je viens prier, Seigneur, pour les ramener comme ça au nom de Jésus. Amen. Que Satan éprouve, Seigneur, la défaite au nom de Jésus. Amen. Satan profite, Seigneur, de le peuple, Seigneur. Oh Jésus, je transmets la joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, 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 nous acclamons le Seigneur Jésus. Lui qui nous a donné cette occasion, il a permis que nous puissions passer ces moments ainsi. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Nous, on ne le savait pas, mais lui savait qu'on devait prier. Parce qu'il a besoin de sanctifier tout un chacun de nous. Ne nous trompons pas, frère. Sans la sanctification, nul n'est pas le Seigneur. Alors, si nous confessons ces choses loin de la sanctification, c'est rien, frère. On peut voir la sainteté que nous avons propre vie à nous aussi. Alors, le Seigneur sera glorifié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit avec vos cœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne. Amen. Dans les bons temps, dans les mauvais jours. Amen. Que Satan ne vous supprime pas. Amen. Que tu sois fort, que tu sois puissant, que tu t'élèves au-dessus de toutes les dominations, que tu t'élèves au-dessus de toutes les principes, et que tu sois le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse richement.